Le 1er juillet, le ticket TCO pour un déplacement passera de 1,50€ à 1,60€, l'abonnement de 7 jours de 12 à 13€ et le mensuel de 40,80€ à 43,20€. Les tarifs jeunes, soirées et navettes aéroports resteront inchangés. Endetté d'1,353 milliard d'euros, TCO justifie ces augmentations par les investissements sur de nouvelles lignes ou des renforcements de services. Cette hausse globale qui devrait rapporter 1,2 million d'euros de recettes supplémentaires à TCO passe mal auprès des Toulousains. Je trouve que ça va commencer à faire cher, quoi. Parce que celui qui se déplace beaucoup... Il y aura un peu plus de fraude. Et les gens, ils partiront à pied ou en vélo. Je trouve ça un peu pas très bien, quoi. C'est les transports, c'est le gaz, c'est l'électricité. Malheureusement, ça touche des choses lesquelles on ne peut pas se passer. Hein. Soit on prend le métro, le bus, et c'est quand même moins cher que de prendre la voiture. Soit on marche à pied, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on subit. Même s'ils augmentent, on est obligé de payer. Et en conséquent, il faudrait augmenter les salaires, par exemple. Ce serait bien.